Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo du bilan de la semaine numéro 2 du mois d'octobre. Comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je voulais vous remercier pour ma dernière vidéo. Je vous ai présenté mes nouveaux supports de 2024 et je voulais vous remercier pour tous vos messages. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, voire tous, hein, que j'avais fait du beau travail, que mes supports étaient vraiment jolis, que mon planeur était bien, était simple, était facile à utiliser, etc. Franchement, je vous remercie énormément pour tous vos messages. Ça me fait hyper plaisir, franchement. Au départ, je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo de mes présentations et puis ça plaira pas forcément à tout le monde. Et franchement, il y en a, je crois, enfin même sûr, il y a aucun des commentaires qui a dit que ça lui plaisait pas. Vous aurez pu très bien dire que ça vous plaît pas, hein, voilà. C'est chacun aime, enfin chacun est différent et chacun aime pas les mêmes choses que les autres. Je vais y arriver. Et franchement, non, vous êtes vraiment adorables. Je tenais à vous remercier aussi pour toutes celles qui ont passé des commandes. Je pensais pas que j'allais avoir des commandes aussitôt. Donc, je vous remercie énormément. Et il y en a plein également qui vont les télécharger et les utiliser. Donc, merci, merci, merci. J'ai trop, trop hâte de les voir dans les vidéos qu'il y aura pour les copines budgéteuses. Ou alors, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos sur Instagram. Ça me ferait hyper plaisir de voir comment ça rend un petit peu dans vos classeurs. Donc voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait encore une fois et je vous remercie énormément pour votre avis sincère et honnête. Et puis les petits conseils que j'ai eus également sont bons à prendre. Voilà. Ensuite, dernière petite chose, je pense que je serai tranquille aujourd'hui parce que Luna vient de s'endormir. Enfin, elle s'est endormie il n'y a pas très longtemps. Donc ça risque pas de bouger aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. C'est vrai que la dernière fois, voilà. C'était un petit peu tremblant. Mais là, voilà, je suis tranquille, toute seule avec mes animaux. Donc, ça devrait aller. Voilà. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans la semaine numéro 2. Alors, franchement, pas trop de dépenses. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, on a été malade un après l'autre. Et encore, on n'est pas tout à fait guéri. Si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que ma petite fille de 11 mois a été très malade. Elle a eu la totale, la conjonctivite, le rhume, la fièvre. Elle a eu un petit peu mal aux oreilles. Elle a eu mal à la gorge. Enfin voilà, elle a eu la totale. Du coup, elle n'a pas forcément beaucoup mangé. Donc, j'ai pas eu besoin de lui racheter des petits pots ou quoi que ce soit. Donc, déjà, dans un premier temps, on a fait des économies, mais l'enveloppe santé des épargnes a un petit peu baissé du coup. Mais bon, c'est fait pour ça. Il fallait que je soigne bébé. Mon chéri, pareil, a été très malade et il est encore malade en ce moment. Il doit retourner chez le médecin. Donc, l'enveloppe santé doit bouger aussi. Enfin, voilà. On a eu pas mal de dépenses au niveau de la santé, mais au niveau des autres enveloppes, du coup, ça a compensé. On n'a pas trop dépensé. Donc, on va voir ça ensemble. Déjà, on va voir au niveau du compte ce que ça donne. Je regarde, voilà, si vous êtes toujours centré. Alors, au niveau des prélèvements. Alors, au niveau des prélèvements, donc on est toujours au milieu, je ne sais pas pourquoi à chaque fois je tire. J'ai mon loyer qui est passé, bon, EDF aussi, les mutuelles, les assurances. J'ai Disney+ qui est passé. J'ai enfin Apple qui s'est prélevé, tout simplement parce que sur mon nouveau téléphone, j'ai dû racheter des gigas. Puisqu'en fait, sur mon nouveau téléphone, j'avais pas de crédit giga, en fait. C'était sur l'ancien téléphone. C'est pour ça qu'il me prélevait plus, puisque l'ancien téléphone, je ne m'en sers plus. Et du coup, comme il manquait un petit peu d'espace dans celui-ci, j'ai refait un abonnement. Donc là, cette fois-ci, j'aurai 2,99 euros par mois de Apple. Voilà. Donc là, ils ont été prélevés. J'ai encore HP qui doit se prélever. Normalement, ça se prélève 5,99. Voilà. Achat de collection, je pense que ce sera d'ici la fin du mois. J'ai pas encore reçu mon colis. Et comme je vous ai expliqué, ça se prélève 10 jours après avoir reçu le colis. Donc, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Ma sœur, je lui ai donné les 50 euros. Yves Rocher, c'est toujours pas passé. D'ailleurs, je pense que c'est à moi de... Alors, habituellement, il prélève tout seul. Et il y a des fois où c'est à moi de régler la commande. Donc, je pense que je le ferai. Et mon abonnement Network, alors je comprends pas, c'est 9,99 normalement et ils m'ont prélevé 11,99. Donc va falloir que je voie avec eux si il n'y a pas quelque chose qui s'est calculé en plus, je ne sais pas. Donc voilà pour les prélèvements du mois. En soi, ça va, on est plutôt pas mal. Là, les assurances, c'est un petit peu plus. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'oublie les 4,30 € d'assurance de mon compte bancaire.
Je les oublie à chaque fois, ils passent toujours en début de mois. Donc là, je l'ai noté pour le prévoir sur le mois d'après. Voilà, alors on va se mettre sur les économies. J'ai déjà noté pour la dernière fois, c'est vrai que j'avais pas eu le temps de les noter. Et là, j'ai tout préparé. On y va, c'est parti. On va faire le remplissage de la semaine 3 en même temps. Attendez, je vais vous montrer du coup dans l'enveloppe épargne santé ce qui a bougé quand même. Donc ici. Alors, on a déjà eu les 20 euros de la pharmacie. J'ai dû aller chercher des médicaments, mais j'avais pas mon enveloppe santé avec moi. Donc, j'ai pris par carte bleue et je me suis mis 20 euros dans l'enveloppe banque. Puisque dans l'enveloppe santé du mois, j'avais déjà dépensé 20 euros, donc j'avais pas suffisamment assez. Ensuite, j'ai payé 27 euros du médecin, donc il y a moi. Moi, je suis allée pour un rendez-vous de bilan. Donc, il y avait moi. Et ensuite, j'ai payé le médecin du chéri et de ma fille. Donc, ça nous a fait 27 euros pour tous les trois. Donc, j'ai payé également en carte bancaire. Donc, j'ai pris 30 euros dans l'enveloppe. Et en fait, il me restait 3 euros en espèces. Donc, je les ai retirés également. Donc, il reste 270 euros dans l'enveloppe santé qui vont certainement bouger puisque, comme je vous ai dit, mon chéri doit repartir chez le médecin. Je ne sais pas si il aura besoin d'autres médicaments à régler. Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, ça reste comme ça. Et ensuite, j'ai mon enveloppe YouTube qui a bougé également. Donc là, j'ai donné en fait les 50 euros à ma sœur dans cette enveloppe-là puisque j'ai mis les revenus de YouTube sur mon compte Boursorama et du coup, je les ai pris dessus. Donc, ça me fait qu'il me restait 250. J'ai mis les 250 euros sur mon compte du coup, ce qui me fait 500 euros. Et je suis allée chez Action aujourd'hui et j'en ai eu pour... alors, c'était 75 euros. J'ai payé avec ma carte, mais le problème, c'est que je comprends pas pourquoi je suis à 45. Bon, j'ai du mal calculer dans mon enveloppe YouTube. Bah, ma fille qui se réveille, voilà. Il faut qu'à chaque fois que je fasse ma vidéo budget, soit elle est présente et elle nous fait bouger, soit elle pleure. Bref, je vais aller la voir. Donc, du coup, j'ai utilisé 45 euros parce que j'ai fait une petite journée avec ma meilleure amie aujourd'hui. Donc, c'était trop, trop bien. Donc, j'ai utilisé 45 euros dans l'enveloppe YouTube et il me reste 455 euros. En sachant que j'ai 250 euros en physique. 250 euros en physique et le reste, c'est sur mon compte bancaire. Voilà, puisque là, on commençait à aller un petit peu loin. Donc, je préfère pas tout mettre dans la même enveloppe. Et ensuite, enfin, dans la même enveloppe, si, mais pas en... Et j'ai toujours pas fait mon enveloppe terrasse. Il faut que je la fasse. Voilà, au niveau des épargnes, c'est tout ce qui a bougé. Bon, je vous dis que ça va rebouger un peu. Alors, je pense que ça, je vais l'enlever parce que ça ne veut pas... Voilà. Voilà, ça ferme pas sinon. Hop. Voilà pour ça. Je pense qu'elle s'est calmée. Je l'entends plus. Des fois, elle fait ça, en fait. Elle pleure un petit peu et après, elle se rendort. Bon, écoutez, si elle repleure, je mettrai pause, la magie de la vidéo, et j'irai la voir, j'irai la chercher. Donc, c'est parti. On va faire le petit bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. C'est parti, c'est parti. Donc là, j'ai toujours mes petits bons de 2 euros. Il m'en reste pas beaucoup, mais il faut que je les finisse. Donc voilà. En alimentation, excusez-moi, là j'ai eu un petit bug, en alimentation, j'ai mal à la gorge et quand je touche ma gorge, j'ai super mal, donc je pense que je vais attraper une angine, ça va être génial. Du coup, j'ai le nez un peu pris, donc désolé. Hein. Donc en alimentation, il nous reste 57 euros et 60 centimes. Franchement, voilà, on n'a pas fait beaucoup de courses. On a été très malade, donc forcément on n'a pas, enfin peut-être pas moi très malade, mais on n'a pas beaucoup mangé quoi. Donc, on a économisé 57 euros. Donc, ça, c'est déjà pas mal. J'ai pas mis mon petit tapis à côté de moi. Donc, déjà, 57 euros sur l'alimentation, c'est juste génial. On repart sur 120 euros. Ah, je pense qu'il faut vraiment que j'aille la chercher. En plus, elle est encore pas traque, ma fille. Donc, elle est pas très, très bien. Elle recommence à manger petit à petit, mais c'est pas trop ça. Donc, je surveille. Elle a pas de fièvre, rien, mais bon. Allez, alimentation, on est bon. 120 euros pour la prochaine semaine. En animaux, on avait le budget de 20 euros et il me reste 11 euros. Oups, alors le billet, j'aimerais bien que tu ne t'envoies pas quand même. 11 euros pour les animaux. On repart sur 10 euros. Il faut que j'achète juste de la litière à Monsieur Pompon puisque j'ai oublié de l'acheter. Bon, ça va, il lui en reste, hein, mais j'y ai pas pensé. Et en plus, cette semaine, j'ai travaillé un jour sur deux. Parce
qu'il fallait que je rattrape des heures. Donc, j'ai fait lundi travail, mardi repos, mercredi travail, jeudi repos. Donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, j'en profite pour faire la vidéo. Demain, je bosse et après, je suis en week-end. Donc, voilà, c'était vraiment la semaine, un jour sur deux, quoi. Animaux, c'est bon. J'ai coché. Oui. Entretien hygiène. Hop là. Entretien hygiène, c'est pareil. On a économisé 12 € et 10 centimes. 12 € et 10 centimes. Je pense qu'elle s'est mal réveillée, ma fifi. Là, on repart sur 10 pour la semaine 2. Mais c'est même pas la semaine 2, hein, c'est la semaine 3. Pff, n'importe quoi. Je vous ai dit quoi? Qu'on faisait le bilan de la semaine 2, j'espère. Parce qu'on fait vraiment le bilan de la semaine 2. Et on remplit pour la semaine 3. entretien hygiène, c'est bon. D'hiver, je n'ai pas touché. On a les 10 €. Voilà. J'aurais pu les laisser dans l'enveloppe, c'est pas grave. On repart sur 10 € pour cette troisième semaine. Hop, au niveau de bébé. Eh bien, écoutez, comme je vous disais, bébé a été malade, donc forcément, elle n'a pas mangé. Elle a pris que des bibis, voilà. Donc, elle a pris le bibi du matin, donc le blé dit-déj. Elle a pris également le bibi du soir, mais voilà, elle n'a pas mangé de petits pots ni rien, donc j'avais pas besoin de lui en acheter. Et mon chéri, lui, a été lui chercher des blé dit-déj avec sa carte bancaire, donc du coup, ben, j'ai pas dépensé les 40 €. Ils sont toujours là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder et je vais prendre ces 40-là pour les mettre dans les défis. Voilà. Donc, on est pas mal. 40 € d'économie sur bébé. Donc, j'aurais préféré qu'elle soit pas malade, mais elle est tombée malade. Donc, comment vous dire que... Voilà. Bébé, donc ça, c'est bon. Promotion, on a toujours les 50 €. Je n'ai rien touché encore. Voilà. Imprévu, pareil, il y a toujours les 20 €. Et en monnaie, c'est la monnaie de l'enveloppe santé, du coup. Donc, on a les 3 € et 30 centimes qui viennent d'une autre enveloppe, mais que je les ai mis dans l'enveloppe santé, il me semble. Ouais, 3,30. Voilà. Donc, ça, on est bon. En monnaie, il n'y a plus rien. Parfait. L'enveloppe. Le portefeuille est rempli pour la semaine prochaine et on va venir voir ce qui s'est passé dans les autres enveloppes. Alors, sortie, ça n'a pas bougé. On a toujours les 70 €. Dimanche, on va à la fête foraine. Puisque c'est le dernier jour de la fête et j'ai promis à Mia qu'on allait y aller dans le mois. Hop. Je vais attendre. Est-ce que je vais la chercher? C'est comme... elle est patraque, je ne sais pas. Un coup oui, un coup non. Donc, je vous disais, dans l'enveloppe sortie, il reste les 70 €. On ira à la fête foraine dimanche. Donc, je pense qu'ils ne vont plus être là. Shopping, il me reste les 40 €. Santé, bah du coup, il reste toujours les 14 €. Donc, je les laisse. Mia, école, ça n'a pas bougé. Mon chéri, du coup, je lui ai déjà donné ses 20 €. Donc, je vais le noter. Je vais aller la récupérer. 10, semaine 3, moins 20. Et il lui reste 20 €. Et il m'a rapporté de la monnaie. Hop, il m'a rapporté 3,90 € que j'ai mis dans les pièces là-bas. Le tabac, il n'a toujours pas été cherché. Le coiffeur, alors je vais juste chercher ma fille, je reviens tout de suite. Je vous reprends du coup après, je sais pas moi, 3/4 d'heure de pause. J'ai donné à manger à Luna, je l'ai calmée parce qu'elle était vraiment pas bien. Je suis allée chercher Mia entre temps, enfin voilà, tout le tralala d'une maman, j'ai envie de vous dire. Du coup, on était à coiffeur. Donc, tabac, ils n'ont rien touché. Enfin, il n'y a rien qui a bougé. Coiffeur, il reste 8 €. Mon chéri a fait une prestation. Là, il faut que je le note. Donc, il a fait une prestation à... Du coup, c'est 13 € maintenant, je crois. 13, 14, 15. Ouais, c'est ça. 13 €. Donc, il était censé rester 15 €. 15, 17. Attendez. 18 € plutôt. Et je ne sais pas ce qu'il a fait avec 10 €. Il a pris 10 € dans cette enveloppe-là. Même lui, il se souvient même plus de ce qu'il a fait. Donc, voilà. Donc, je vais lui enlever. Donc, il reste donc 8 €. Si jamais il doit retourner chez le coiffeur dans le mois, on prendra dans une autre enveloppe pour compléter. C'est pour ça que je lui ai laissé les sous là-dedans. Mais je ne sais pas ce qu'il a fait avec les 10 €. Alors, soit il s'est trompé d'enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il a fabriqué. C'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, voilà. Achat internet, ça n'a pas bougé. J'ai toujours pas fait d'autres achats. Et essence, j'ai fait un petit plein de 22 €. Donc, il reste 73,87 € pour ce mois-ci. Au niveau des gains, il n'y a rien pour cette semaine. Au niveau de la banque, il y a les 20 € de la pharmacie. Enfin, de la santé, du coup. Hop là.
Donc voilà pour le portefeuille du mois. On va y arriver, on va y arriver. Du coup, alors, ce qui nous fait un total d'économie de 137,90 €. Franchement, c'est une semaine exceptionnelle. Puisque comme... Ouh là, je vous ai fait bouger. Comme je vous ai dit, on a été malade et forcément, on n'a pas fait beaucoup de dépenses. Moi, bon, il y a juste aujourd'hui où j'ai fait une journée avec ma meilleure amie, comme je vous disais. Donc, on est parti boire un café le matin dans une boulangerie. Du coup, c'est elle qui a réglé. Ensuite, on est allé chez Action. Donc, j'ai pris les sous de YouTube. Et on a mangé au resto. Et j'ai pris dans mon défi à moi. Vous voyez mon défi que je fais chaque mois. Défi Émilie. Donc, j'ai pris... Donc j'ai pris 40 €, donc j'ai payé le resto à moi et enfin à ma meilleure amie et moi. Donc du coup j'en ai eu pour 40 €. Il me reste 45 € dans cette enveloppe. Franchement je suis contente de l'avoir. C'est un peu une enveloppe perso. Ça m'évite de prendre dans une autre enveloppe. Donc j'ai pris dans celle-ci. Donc voilà, une petite journée sympathique à refaire. Ça m'a fait vraiment du bien de revoir les copines. Enfin la copine, il n'y en avait qu'une. Mais franchement, c'est vraiment un truc à refaire. Du coup, on va mettre tout ça dans les défis, hein, puisque voilà. Ah, quand même pas mal. Alors je vais peut-être noter d'abord ici parce que j'ai pas noté ici ce que j'ai. Alors ça c'est un petit peu, voilà, je vais me pencher. Oh, il manque un bout là. Donc du coup ce que j'ai fait en billets, 5 6 7 8 9 10 110 120 130 135 5 6 7 8 9 10 non 125, on va compter 5 6 7 8 9 10, ça fait 100, 120 et 125. Donc 125 en billets. Donc défi 125. Il n'y a pas de gain cette fois-ci. Donc mon chéri n'a pas fait encore ses pourboires de la semaine. Il le fera, il m'a dit demain ou samedi, je ne sais plus. Donc 125 en billets et ensuite en pièces. J'ai pas pris ma calculatrice évidemment. Alors, on a 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 90. Ah. Mon chien, désolé. Donc on a 12, 90 en pièces. Ce qui nous fait 125 plus 12. Donc déjà, on a 90. Est-ce que c'était ça déjà? Ouais. On a 90 et 5. Ça fait 7. 2 et 2, 4. Et 1. Est-ce qu'on a bien 147,90 €? Non, 137. Donc, je vais prendre ma calculatrice. 125 plus 12,90. On est à 137,90. Donc, c'est moi qui s'est trompée ici. Sinon, c'était pas marrant. Hop. 137,90. Voilà. Donc, on est bien sur le bon compte. Vous voyez toujours, bien évidemment. Allez, on va mettre tout ça dans les défis. Je suis contente parce que du coup, ça va bien booster les défis aussi. Si je peux en clôturer, ben, je clôture. Donc, ça, c'est pour après. Allez, c'est parti. Les petits défis. Dans le défi de l'automne, je vous avais dit qu'il restait que 5 € à mettre, mais non, il reste 10 € à mettre. Je me suis trompée. J'ai mis 10 € la dernière fois. Et comme il me manquait. Non, j'ai mis combien la dernière fois? Je ne l'ai pas noté, bien évidemment. J'ai mis 10 € dans le défi des saisons. Donc j'ai barré 5 et 5. Donc il en restait, il restait 10 à mettre. Donc on va les mettre. Comme ça, mon défi des saisons sera terminé pour cette année. Et du coup, je pourrai attaquer les miens l'année prochaine. Donc voilà. Ça fait que dans celui de l'automne, on a les 60 €. Alors par contre, je vais essayer de voir ma fille avec sa sœur qui crie. Donc là, on a 1, 2, 3. Donc là, on a déjà les 3 saisons qui sont passées. Normalement, là, on a 60. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben non, on a 55. Bon. Ça me gonfle de pas à chaque fois tomber sur les mêmes montants. Alors attendez. Là on a 2, 4, 6, 7. Donc on a l'été. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ah, mais parce que... Ok, c'est bon, j'ai compris. Le printemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai 80, alors que normalement, c'est 75 ici. Donc, c'est ça. Alors, 1, 2, enfin 2, 4, 5, 6, 7 et les 5 euros en monnaie. Donc, ça fait l'hiver et normalement, l'automne, il y a 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bien, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 5 euros en pièces et mettre 5 euros de plus dans l'hiver. Comme ça, ça fera 80. 5 euros en pièces et je rajoute 10 dans l'hiver. Ici. Voilà, on va y arriver. Voilà, comme ça, on a tous nos saisons qui sont terminées. Donc ça, c'est cool. Ça sera vidé à la fin de l'année. Donc, je vais noter combien j'ai mis. Donc, 10. Semaine 2, on y a mis... donc, j'ai mis 10. On a mis 15 euros. Donc, on est à 275 plus 15. On est à 290. Voilà. Parfait. 290 dans le défi des saisons. Ça, c'est cool. On aura déjà ça à placer dans les épargnes. Voilà. Donc, ça, je l'enlève puisque c'est terminé. Parfait. Je suis contente. Je suis contente. Ensuite, j'espère que vous êtes droit. Je sais pas. Ça bouge un peu. Là, ma règle budget. Allez, c'est parti. 3. Donc, je pense qu'on va faire 2 tirages. 3, 3, 3. Alors, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. On en est ici. 1, 2, 3. Ah, ben, tiens. On va faire qu'un tirage, finalement. 10 euros, du coup. Je vais essayer de voir si je peux me mettre, enfin, me faire de la monnaie. Là, je vais prendre 10. Et je vais mettre 20. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. On va venir noter tout ça ici. Donc, semaine 2, on a mis 10 euros. Parfait. Celui-là, il sera fini bien vite, bien assez tôt. Ça, c'est cool. Le Monopoly. Le Monopoly. 6 et 5, 11. Donc, 11 cases. Alors, par contre, j'avais pas barré celle-là. Parce que ma flèche est là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, je vais faire avec ça parce que je vois rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, la case chance. Demander à quelqu'un, naninana. Donc, je suis toute seule. Donc, combien on a dans le défi Monopoly? 125. Là, 100, enfin, 125. Donc, je dois avoir Monopoly, j'ai pas de monnaie. Ah non, j'ai 115. Ça m'embête de mettre des pièces encore. Hein. Eh bien, écoutez, je vais mettre 5 euros. Comme ça, je récupère 5 et je mets 10. Voilà. C'est ça, hein, choisir un montant entre 1 et 10 euros. Ouais, donc j'ai mis 5 euros. Hop là, pardon. Semaine 2, plus 5. Vous voyez toujours? Oui. Donc on est à 120. Voilà. Est-ce que j'ai effacé? Oui. Ensuite, bah écoutez, nous on va commencer à se remplir les défis. Voilà. Donc, moi, je vais me mettre 10 euros. Hop, 10 euros. Parfait. Parce que ça, franchement, c'est des enveloppes qui peuvent bien aider. Au lieu d'aller prendre dans les enveloppes de la semaine, on prend là-dedans. Et on est pas mal. Alors, 10 euros pour la semaine 2. Plus 10. On est donc à 55. Parfait. Il faut que j'échange mon billet de 50. Quelque part. Luna, pareil, on va lui mettre 10. Donc, je vais récupérer 10 et je vais mettre 20. Voilà. Donc, 10. Semaine 2. Comment ça se fait que là, j'ai mis que... Ah oui, j'en ai pas mis d'autres, ok. Plus 10, on est à 170. Parfait. 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait, c'est ça. Mia, c'est la même. On va mettre 10 euros. Par contre, Mia, je pense qu'elle a 50 euros là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, normalement, elle est à 85. 5, 6, 7, 8 et 5. Parfait. Comme ça, j'ai échangé mon billet de 50 en même temps. Voilà. Donc, 10, semaine 2, plus 10. On est à 85. Parfait. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà. Perfecto. Ah, j'ai mon chéri qui a pris aussi des sous là-dedans. Il a pris 60 euros puisqu'il devait aller à une... Il est parti au resto avec des potes. Et il me l'avait pas dit, donc j'avais pas prévu dans le budget. Donc on a pris dans l'enveloppe week-end en amoureux et on les remettra le mois prochain. Voilà. Donc du coup, là, j'ai mis 10. Hop. Et Mia, on y a mis 10 aussi. Et Mia, je crois qu'il lui reste plus qu'une case pour remplir déjà ce mois-ci. Puisque je l'avais pas effacé. Nous, les nôtres, on les avait effacés parce qu'ils étaient pleins. Voilà. Ensuite, il... pardon. On va faire celui-là. Alors, le fameux défi octobre. Mon petit crayon, ici. Alors, on va y mettre déjà pour commencer 10 euros, hein, c'est pas mal. Donc, on va prendre le 5 ici et le 5 ici. Et il me semble que j'avais mis 4 euros, ouais. J'avais 4 euros que j'ai retrouvé par là et je les ai mis dans mon défi octobre. Donc déjà, on était à 14 euros et là, je viens de rajouter 10 euros. Donc octobre, semaine 2, plus 10. Donc on est à 24 et c'est un défi à 35. Ouais. Donc déjà, on y met 10. Voilà. Parfait. La déco de Noël, je crois qu'on était à... Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 40 euros à mettre. Je vais y mettre 10. J'aimerais bien le finir vite, celui-là. J'ai déjà fait du repérage un peu pour la déco de Noël. Donc, on sera pas mal. Donc, semaine 2, plus 10. Pour Noël. Après, comme je vous disais, si je n'utilise pas tout, je mettrai dans l'enveloppe Noël. Et ça nous aidera avec l'enveloppe. Voilà. 10 euros là-dedans. Mercredi, j'ai failli dire un gros mot. Donc 10, semaine 2, plus 10, 170. Concernant les petits trackers comme ça, je crois que j'en ai vu dans les vidéos de la famille budget. Donc, si tu passes par là, je sais que tu passeras par là. Si tu as des trackers en format A7, j'aimerais bien que, bah, que savoir s'ils sont sur ton Google Drive. Parce que je crois que j'y suis allée, mais je ne les ai pas trouvés. Sinon, si jamais ils sont dispo, n'hésite pas à m'envoyer un message. Me les envoyer en photo ou je ne sais pas. Mais je serais intéressée. Comme ça, je les plastifie et j'en parle plus. Parce que c'est vrai que vous m'avez dit de plastifier l'autre côté, l'autre face en fait du défi, enfin du tracker. Mais en fait, il n'y a pas le haut et ça me gêne un peu. Donc, si je peux en avoir des nouveaux et les plastifier, ben je le ferai. Voilà. Donc, la famille budget, si tu passes par là, j'aimerais bien avoir tes petits trackers. Voilà. Du coup, là, on est bon. Ensuite, il nous reste... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le jour férié du mois de novembre. Il me faut 10 euros, donc je vais les mettre. Comme ça, en novembre, il m'en restera un de 10 à mettre. Si je peux le mettre dans le mois d'octobre, ben pourquoi pas. Hein. Voilà. Hop, voilà. Le défi jour férié, je ne le fais plus pour l'année prochaine, mais il est quand même dispo dans mon Google Drive. Je l'ai refait. Je l'ai refait avec des sommes différentes, il me semble. Donc, n'hésitez pas, s'il vous intéresse, vous pouvez aller le voir dans mon Google Drive. Voilà. Ensuite, le 2023, mois d'octobre, il était fait. Donc, pour l'instant, je mets rien. Ok, il me reste 20 euros. Donc, on va mettre 10 euros dans le Tineco. Enfin, arrêtez avec le Tineco. Avec le lit, voilà, 10 euros. Hop, voilà. Ça, c'est good. Franchement, je suis contente d'avoir fait autant d'économies cette semaine. On peut remplir pas mal de défis, ça, c'est cool. Octobre, semaine 1, plus 10.
Parfait, ça c'est bon. Il me reste 10 euros, il me reste beaucoup de monnaie. Alors déjà, je vais mettre le défi, enfin le défi. Le billet de, enfin les deux billets de 5 dans le défi 5 euros. Voilà, ça fera 10 euros de plus. Donc plus 10. Voilà. Donc, ça c'est fait. Pareil pour mon défi 2 euros. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que bah du coup, Luna m'avait perturbé à la dernière vidéo, bilan. Et j'avais coché une ligne de trop. Donc, j'ai effacé et j'ai remis à jour. Donc, merci pour celles qui m'ont envoyé un message. Parce que sans vos messages, je crois que je m'en serais même pas aperçue. Donc là, on a 2, 4... Je crois que j'avais que 2 pièces. Hein, j'ai pas grand-chose. Ouais, j'ai que 2 pièces de 2. Donc, du coup, là, j'en coche 2. 1 et 2. Pareil, le défi 2 euros va bientôt bouger puisque mon chéri veut ses AirPods. Et du coup, on arrive presque au montant. Donc, il risque de les acheter dans très peu de temps. Plus 4. Puisque le défi 2 euros, en soi, il n'a pas de but particulier puisque on avait déjà acheté nos Apple Watch. Et du coup, il m'a demandé de lui continuer pour ses AirPods. Donc, je sais pas. Là, on est à 164. Plus 14, plus 4. On est à 182 et je crois qu'il coûte 190 peut-être. Hop. Défi 2 euros. Voilà. Et le dernier billet de 10, évidemment, il va aller dans mon défi 10 euros. Celui-là, je ne voudrais pas le manquer. Donc 10 euros. Puisque j'ai rempli un peu tous les défis. Donc celui-là va dedans. Donc, hop, plus 10. Parfait. Et là, je l'ai coché déjà. Voilà, donc la Marelle Budget, on y a joué. Le Monopoly aussi. Ça, on y a mis 10 euros sur chacune des filles. Ça, on a mis 10. Halloween, on a mis 10. Déco Noël, on a mis 10. Mais on a mis un peu partout, donc ça, c'est cool. 2 euros, le défi 5 euros, 10 euros. Le jour férié, le 2023, c'était pas la peine. Il me reste le défi d'or. Alors, il me reste un petit peu de monnaie, donc à voir si je rajoute pas un peu dans le défi du mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'ai 11 euros. Je vais voir. Que plus vite il est fini, je peux peut-être commencer l'autre juste après, quoi. Alors là, on a quoi? On a 3, 4, 5. J'ai déjà, je crois, 4 euros en pièces. 4 euros, donc 3, 4, 5. Il me reste pas beaucoup, en fait. 1,50, ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 50, 10 et 11. Il reste 11 euros à mettre dedans. 24 plus 11. Oui, c'est ça. 11 euros à mettre dedans. 11 euros. Je sais pas trop. J'aimerais bien que mon défi d'or, il augmente aussi. Mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 4 euros, mais je vais mettre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais mettre 6 euros. Hop. 6 euros, 6 euros, 6 euros. Faites vos jeux. Je suis désolée, je suis folle. Alors, 3 et 1,50 plus 1,50, ça fait 3. Donc, ça fait bien 6. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis trompée ou quoi? 3 plus 1,50 plus 1,50, ça fait 6. Mais pourquoi là, il me reste 2, 3, 4 et 5? Pourquoi il me reste 5 euros alors que c'était 11? Ah, mais si, c'est ça. Si, c'est 5, 11. Ouh là 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 là. Je suis malade, hein, je vous jure. Hein. Je suis malade. Et en plus, je pousse la chansonnette, tout va bien. Donc, voilà. On a mis 6 euros, 16 euros dans le défi du mois. Donc, ça, c'est cool. Et on va venir faire le petit défi d'or. Pareil, hein, le défi d'or, j'ai pas compris. J'ai recompté tout parce que j'ai mis de la monnaie dans un sachet de banque. Et je comprends pas. Je suis à... Combien je suis? Je suis un petit peu plus.
Je sais pas, donc je ferai ça à la fin de l'année. Hein. Ça me gonfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Décidément. 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,90 €. Allez, 7,90 €, on va venir regrouper les autres. Je vais le noter déjà. Plus 7,90 €. Ok. Alors, 7,90 € plus 2 plus 3 plus 60 centimes. Ça fait 13,50 €. Donc 13,50 € moins 7,70 €. Il me reste 5,80 €. Alors, on va enlever tout ça. Du coup, moi, j'ai fait un défi monnaie pour l'année prochaine qui est avec des montants qui vont de 30 centimes en 30 centimes et pour un montant plus petit. Du coup, puisque je trouve que 505, c'est un peu long. Donc, j'ai fait un montant plus petit. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pareil, il est dans mon Google Drive. 5,80 €. Donc, je crois que le montant que j'ai, moi, c'est 385, un truc comme ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on a tout placé. On a tout placé. Donc, voilà, ça a bien augmenté les défis. Donc, ça, c'est trop, trop cool. On va venir faire le suivi ici. Alors, dans le défi des saisons, du coup, on y a mis 15 €. Oula. 15 € et il est fini. Donc on y a mis 25. Dans la marée de budget, on y a mis 10. Je vais faire mon calcul comme je fais à chaque fois. J'en ai marre d'être tordue, mais bon, j'ai pas trop le choix. 15 plus 10 plus le Monopoly, on y a mis 5 €. Moi, 10. Luna, 10. Mia, 10. Le lit, on y a mis 10 aussi. 2 €, on y a mis 4 €. Eh, je m'en souviens quand même, j'ai de la mémoire. Hein. 5 €, on y a mis 10. 10 €, on y a mis 10. Le jour férié, rien. Si, on y a mis 10, je suis bête. 10, c'est le 2023 où on n'a rien mis. Et le défi d'or, on y a mis 7,90 €, il me semble. Oui. 7,90 €. Il n'y a pas que le défi d'or en fait. Le défi du mois, on y a mis 16. Et mince, voilà, je me suis trompée. J'ai mis 1. Donc plus 5. Plus 10. Voilà. Et Noël, on y a mis 10. Ce qui fait bien 137,90 €. Parfait. Perfecto. Donc voilà, une bonne économie encore une fois. Franchement, je suis trop contente. J'espère juste que ma Fifi ira mieux. Bon là, elle recommence à manger petit à petit. Mais c'est vrai que voilà, elle a été vachement malade cette semaine. Bah moi, du coup, ça enchaîne. Mon chéri, il est toujours pas bien. C'est Mia. Mia est tranquille. Mia, pour l'instant, elle a rien. Donc on touche du bois. Voilà. Mais c'est vrai que on est un petit peu malade. C'est pas le mois d'octobre et pas très très. Niveau santé, c'est pas trop ça pour nous. Après, autre chose, voilà, ça va. Niveau économie, niveau budget, on est bon. Mais sinon, le reste, c'est pas trop ça, quoi. Il me semble qu'on a rempli les épargnes. Il me semble qu'on a rempli les épargnes. Et on y a mis... Je sais plus. Alors, on y a mis... oh, j'ai mal à la gorge. 980 plus les... 200 € de plus. On y a mis 1180. C'est trop bien. Donc 1180. Je les ai pas mis en semaine 2, mais bon, tant pis. 1180. 20 €, c'était quoi? Ah oui, c'était les gains de mon chéri qu'on a mis en épargne. Ok, donc on a mis 1180 €. Je ne compte pas les revenus YouTube. Hein. Je les ai mis dedans, mais je les compte pas dedans. J'espère que vous avez suivi. Donc voilà, un petit peu pour notre
notre bilan de cette semaine numéro 2. Donc vous, j'espère que vous avez fait des économies, que tout s'est bien passé pour vous et que le mois va bien terminer pour vous. Nous, on espère faire des autres économies sur les autres semaines, on verra bien. Et puis voilà, donc je vous laisse sur cette fin de vidéo et je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera budget, en tout cas vendredi prochain. Sinon, vous aurez d'autres vidéos en attendant. Bisous, bisous.